tu sais ce que dit un citron qui arrête un autre citron? Plus un zeste! Mais attendez, je suis pressée! Quoi? Comment on est à l'antenne? Oups, pardon les Fresh Notes, je vous avais pas vu. Mais ça tombe bien que vous soyez là parce qu'on va bien s'amuser ensemble aujourd'hui. Dans Fresh Ciné, vous allez avoir envie de vous faire une toile. Vous avez compris? Une toile! Bon, ma blague est nulle, mais vous allez retrouver le nouveau Spider-Man dans un instant. Dans Fresh Spectacle, vous allez retrouver le plus grand des illusionnistes du monde dans notre émission. Dans Fresh Bonus, les fans de Star Wars vont être ravis. Et dans Fresh Music... Salut tout le monde, c'est Lenny Kim dans l'émission Fresh. Attention, instant mignonnerie ultime. Ah oui, on adore les gratouilles et les câlins. Et hop, trop de joie. Bah, monsieur le chat, ne vous endormez pas, Fresh, c'est parti. Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chants de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Eh oui, Peter Parker n'est plus le seul Spider-Man, car dans ce tout nouveau film, il en existe plusieurs. Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais. L'accélérateur de particules, tu connais? Tu vas adorer. Dimension en cours d'ouverture. Tu es comme moi? Comment c'est possible? Après le dérèglement d'une machine un peu bizarre, plusieurs dimensions vont se mélanger et tous les Spider-Men de tous ces mondes différents vont se rencontrer, dont Miles, ce jeune ado qui vient de se rendre compte de ses pouvoirs et qui va aussi découvrir l'existence de ses collègues super-héros. Salut les garçons! T'es qui, toi? Je m'appelle Gwen Stacy. Je viens d'une autre. Autre dimension. Il y en a encore combien des Spider-Héros? Salut les amis. Hello. Alors là, franchement, on aura tout vu. Eh ben non, mon pote, t'as pas encore tout vu. Je m'appelle Peter Parker. Quoi? Mais il y a même un cochon? Ah ben ça va loin tout ça. Ce sont grâce à tous ces autres Spider-Men et surtout grâce à Peter Parker que Miles va réussir à dompter ses pouvoirs et va passer de l'adolescence à l'âge adulte. La cape, même pas en rêve. Je trouve que c'est classe. Hey, Spider-Man ne porte pas de cape. On décolle, t'es prêt? Aïe, parfois l'apprentissage, ça fait mal. Un film renversant avec des versions complètement loufoques du super-héros et rempli de blagues super drôles, Spider-Man Nouvelle Génération sera au cinéma le 12 décembre. Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa. C'est là que tu réponds, je t'aime. Non mais t'es sérieux? Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est? Papa, je t'aime. Papa... Je t'aime. Reçu 5 sur 5. Les Fresh Notes, savez-vous ce qu'est le Quick Change? Non? Eh bien, c'est une discipline magique où le but est de changer de vêtements de façon très rapide, sans que personne ne voit rien. Et Arturo Brachetti, c'est le maître absolu du Quick Change, regardez! Oh, c'est un pizzaiolo! Eh ben non, c'était Elvis Presley! Arturo est tellement fort qu'il est même au Guinness Book des records. Il arrive à se changer avec les chaussures incluses en moins d'une seconde trente. À la vitesse de la lumière, ce dernier enchaîne de façon impressionnante les costumes et franchement, parfois, on se demande bien comment il fait pour être aussi rapide. Regardez, il se change même sans les mains. Un tour de passe-passe vestimentaire qui me serait bien utile pour gagner du temps le matin, moi. En donnant vie à plus de 50 personnages, vous allez être embarqué dans son monde magique où Beyoncé rencontre la Reine des Neiges. Alors pour vous émerveiller en famille dans un spectacle où il y a une surprise toutes les 20 secondes, Arturo Brachetti dans son show solo est à retrouver dans toute la France jusqu'au 12 février. Alors foncez! Les fans de Star Wars, vous allez être servis. Vous pourrez assister en exclusivité à la Philharmonie de Paris les 4 et 5 janvier, mais aussi les 2 et 3 mars, à des ciné-concerts exceptionnels. Les musiques de Star Wars, tout le monde les connaît. Mais lorsque vous avez un orchestre devant vous qui joue le film en entier, vous sentez carrément les vibrations des instruments dans votre corps. Alors, pour que la force soit toujours avec vous, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. Et pour bien finir cette émission, quoi de mieux que de retrouver le talentueux Lenny Kim? Alors Lenny, on a quelques petites questions pour mieux te connaître et le but du jeu, c'est de répondre le plus vite possible. Attention, tu es prêt? C'est quoi ton plat préféré? Spaghetti sauce bolognaise. Et ta fleur préférée? Roses. Mm-hmm, et ta chanson préférée? Miraculous Ladybug. Et quelle est ta plus grande qualité? Faut demander aux autres ma plus grande qualité.
Et ton plus grand défaut, c'est quoi? Je suis très impatient. Et ta plus grosse honte? Je préfère peut-être pas la dire vu que c'est vraiment une grosse honte. Bon, d'accord. Allez, on teste le mot de la fin. Si je peux dire un petit mot pour mes fans, merci de me soutenir à chaque jour comme ça. Vous êtes les meilleurs. Je vous aime du fond du cœur. Et puis, j'ai hâte de vous voir sur la tournée. Big love. Merci à tous. Waouh, merci pour toutes ces révélations, Lenny. Oh, j'aimerais bien finir en musique, moi. Allez, on vous laisse avec Lenny et on vous dit à la prochaine et fraîche note. Ciao. Yeah, I'm still waiting for you, I'm still waiting for you, I I'm still waiting for you, you and me, there's no one other. Now we'll see the world in different colors, you're in the city and I'm in the suburbs. Yeah, I'm still waiting for you. Bisous tout le monde, à bientôt. En exclusivité sur Canal et Numéricable.